Salut YouTube! Oui, il y a des gens chez moi, mais pas seulement chez moi. Mais avant de les rejoindre sur Discord, parce qu'il y a quand même deux bons gens à côté de moi, avant de rejoindre les autres bons gens sur Discord, on est sur Sea of Thieves, on est en live. Comment ça va le Discord? Le Discord va bien. Le Discord va bien. Oh, mais si le Discord va bien, tout va bien alors. Alors, on a dit qu'on se rejoignait à la taverne, hein, c'est cela. La taverne, elle est tout en haut, il faut escalader. Ah, oh, je vois ton beau cul, mon bon Dark. Enfin, mon bon voilà, Deus Vult, désolé. Je vais devoir apprendre un nouveau pseudo, Jack. Maintenant, j'ai l'habitude de t'appeler par ton prénom. En plus, je vais devoir apprendre un nouveau pseudo, tu casses les couilles. Oui, on va rassurer. Maître de l'or. Ouais. Alors, comment ça, il y a un double micro? C'est ça, G-Way. Et après, tu gardes. C'est là que ça t'appartient toujours, donc si t'as envie de l'habiter après, tout va bien. Attends, je connais une nouvelle chanson. Ah bon? On me dit que mon micro fait écho sur mon live. Comment c'est que. C'est que y a. T'as un haut-parleur ou quelque chose? Pas du tout. Non, mais après, est-ce que t'as pas par hasard une page ouverte avec de multi-Twitch, un truc comme ça, et ça enregistre le son de ton PC? Oui. Et donc, par conséquent. Le Twitch? Non, mais le son est coupé sur Twitch. Y a aucune page d'un quelconque truc ouvert quelque part? Et à la vôtre, le chat et YouTube? Non. Est-ce que t'as pas écouté ton micro? Ah, vous l'avez pas vu, mais il y en a deux à côté qui ont levé leur verre. Hein. Pour vous! Donc vous devriez être content. C'est vrai? C'est Jacques Uzi. Peut-être. C'est Jacques Uzi! C'est la soirée de l'amitié. Jacques Uzi! Alors attendez, j'arrive. Salut toi! Coucou, allo! Alors c'est quoi le programme ce soir, mon bon Jack? Explique-nous. Je vais vous montrer ma nouvelle chanson. Non mais c'était pas ça le programme à la base. Te fous pas de ma gueule. Le programme à la base, c'est qu'on va faire une quête de pirate légendaire pour avoir un coffre d'Athéna. Ah, et qu'est-ce que c'est donc un coffre d'Athéna? Eh ben, c'est un coffre de la réputation, la fortune d'Athéna. Et j'en sais pas plus parce que je l'ai jamais fait. D'accord, bah ça a l'air d'être bien. Voilà. Alors le son du jeu, c'est pour l'instant il y a pas de musique dans le jeu donc vous pouvez pas l'entendre. Ok. Apparemment, Dark a des soucis de son côté. Pour une fois, ce n'est pas E.T. E.T. le traîne pas. Ce n'est pas ici. Dark qu'on attend à la taverne, du coup. Oui, mais je suis en train de monter, mais je comprends pas pourquoi on entend mon micro en double alors que je n'ai aucun son extérieur. Je n'ai pas mon micro. Est-ce que tu n'as pas deux micros qui sont activés dans OBS? Voilà, on a eu la même idée en même temps, Jack et moi, c'est ça, c'est ça qui est beau. D'ailleurs, Jack, je propose qu'on abandonne les deux autres cons et qu'on parte tous les deux à l'aventure en fait. Non, j'ai Mais non, je suis innocent. Non, on va prendre E.T. en fait, il est gentil quand même, E.T. Voilà, on va juste laisser regarde, Dark. Il a un beau tambour. C'est vrai, il a un beau tambour. Chacun prend un instrument et on joue. Tout simplement. Hop. Sortie. Non, j'ai une sortie audio, une entrée. J'ai une sortie, une entrée, donc c'est pas normal qu'on m'entende deux fois. Jack, ton instrument. Ah, il danse. Ah, il y a plus d'écho. Moi, je dis qu'il y a plus d'écho. Bon, bah attends, mais. Bon bah c'est bon. Et normalement là vous avez le son du jeu aussi, je vais me rapprocher de la musique. Ah bah c'est parfait. Y a quelque chose qui est intéressant dans le chat. Jack, est-ce que une quête légendaire de pirate ça veut dire tuer un maximum de Spanish? Oui. Mais j'espère ça vaut pour qu'on le tuera en chemin. Ah parce que bon, quand même, sinon la reine elle va pas être contente après. Are you Spanish? Tout à fait. Voilà, c'est bon, tout est bon chez moi, on peut y aller les copains, donc bonjour le chat. Et en plus, et merci Mounia pour le sub. C'est parfait, regarde, le jour se lève. Enfin, le follow. C'est parfait. Qui me demande si c'était le coffre de Senseiya. Alors, bon. Peut-être. Athéna. Et merci surtout Blacksy pour toi. Alors, quand on te dit Athéna, tu penses à Senseiya en premier et non pas à la mythologie grecque tout court, en fait. Eh bien, il a bien raison. Non, tais-toi, toi. On t'a demandé ton avis. Mais je trouve qu'elle a pas tort. Non, Dark, pas de propos misogynes, s'il te plaît, on est sur internet. C'était pas un propos misogyne, c'est un propos visé vers non, elle. Non, mais je sais que tu vas vouloir en faire un. Tu verras, c'est non. Allez, venez. Alors, sachez que chaque propos réservé à la madame à côté non, de. Non, on est tous dans l'auberge, hein, Calde. On est tous dans l'auberge. Bah, très bien, venez sur le bateau. Mais non, attendez. Oh putain, mais vous me cassez les couilles, moi, il fait beau, je partirai à l'aventure. Mais oui, mais si on allait dans l'auberge, c'est pas pour rien. Ah bah attends, j'arrive. Oh, on va pas s'en sortir. Ah là, il a pas compris. Et j'ai pas frit. Ah, Kyo, bonne nouvelle, ça. C'était bien. Ça va? Il y a une team copine dans le chat qui commence à se fomenter là. Vous allez vous calmer, les gars. Comment ça, il y a une team copine? Bah, je sais pas, j'ai juste dit, elle a raison, ta copine. Je sais pas. Okay. I am here, Captain.
Arrête de jouer de la musique. Parce que moi je connais une nouvelle musique. Ah. Oh 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 oh. Mon dieu. C'est magique. Mais wow. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est une dalle magique. Mon dieu. Oh my god. C'était là depuis le début. Et oui. Ignorant que nous sommes. Caché juste sous nos pieds. Oh, une cascade magique. Ah, mais ça nous emmène quelque part. Nous sommes lavés de nos péchés. Non, c'est pas possible. Même une cascade de Javel, ça suffirait pas. Ah, pour toi, peut-être. Non, en fait, non, pour moi aussi, t'as raison. Eh, vous êtes où? Je suis tout seul. Ah non, t'es là. C'est juste que je charge plus vite que vous. La puissance du SSD. Ouah, wow, c'est beau. Ouah, on se croirait dans Beyond Good and Evil. Je sais pas. Ouah. Ça, c'est pas classe. Il y a des fantômes. Salut, Nick, quasi sans tête. On est où? On peut parler à la tenancière. Remplis ma shop, tenancière. Hein. Hey, est-ce qu'on se boirait pas un petit coup dans ce lieu mystique? Quand même. Ouais, c'est classe, ce truc. Ouais, moi, je suis partant pour boire un coup aussi. Attends. Au revoir. Et à la vôtre. En plus, j'ai ma nouvelle shop. Voilà, mais là c'est plus fluorescent, là c'est, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais... Ah mais moi là je pense que je suis en train de boire du plutonium, hein. Est-ce que vous voulez faire des quêtes normales ou des quêtes dans la région des volcans? Ah, région des volcans, moi ça me tend très bien, on a pas encore vu. Ouais, c'est vrai. Par contre, Captain, je crois que c'était vraiment du plutonium parce que je vois vraiment de travers. C'est pas normal, Capitaine. Y'a quoi là-dedans? Ah, on fera la cargaison enterrée par le légendaire Le Coupe. Ah mais c'est tout pour le légendaire ça, effectivement, du coup plus tu montes les catégories et plus tu t'en sors avec les... Il y a du bel équipement là quand même, hein. Ça me plaît. Il y a des jolis trucs. Ah ouais, non mais carrément. Ça va se calmer sur le chat là ou... Ok, je suis en train de me faire choper ma copine, tout va bien. Comment ça, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est fort quand même. Oh mais je les reconnais, c'est les Easy Top. Salut les gars. Tranquille. Alors moi je suis complètement bourré. Je suis fan de vous. Je sais pas où je vais. J'adore votre apparition dans Retour vers le futur. Franchement, magique. Ça va? Là je suis en train Du coup moi je suis trop jaloux de ces PNJ parce que il y en a un qui a un banjo. Putain ouais, nous on a pas de banjo nous. Et du coup tu vois qu'ils jouent les mêmes musiques que nous. Ah, je vaux mieux parce qu'il y a un banjo. Donc ça se trouve peut-être qu'ils vont intégrer un banjo dans pas longtemps. Bah peut-être y aura un banjo un jour. Peut-être. Ça y est. Alors là, il y a eu plein d'annonces. Ils ont, comme c'était l'anniversaire du jeu hier, des 1 an, ils ont fait un trailer. Et du coup, ils ont annoncé plein de trucs pour le 30 avril. Ah. Et on devra y aura Arena. Et ben, on reprendra un mois de Game Pass pour le 30 avril. Qui c'est qui m'a gerbé dessus, putain? C'est moi. Mes gros dégueulasses. Du coup, on va retourner au bateau maintenant. J'ai pris la. Ah bah, oula. Attends, moi j'explore, Captain. Mais tu peux explorer un petit peu. Il y a un légendaire. Voir ce que vend Lise. Tu vends quoi, ma chère Lise? Ah bah, je peux rien acheter. Un truc de bateau légendaire. D'accord, donc je peux rien acheter parce que je ne suis pas un pirate légendaire. Je suis un petit matelot des eaux douces, moi. Ça coûte super cher. Non, mais attends, les voiles de Spectre, c'est ce que j'ai croisé la dernière fois que j'ai essayé de jouer tout seul. La seule fois où j'ai essayé de jouer tout seul en fait. Mais il y a du monde ce soir, ça fait plaisir. Bonsoir. On est au moins 40 000 viewers. Oh là là, oh c'est pas facile, oh c'est dur, oh la vache. Donc on doit revenir sur terre ferme, c'est ça? Oui. Oh là là. Beaucoup de bateaux au fond là-bas. Alors je pense que je vais vomir devant mon PC avant d'arriver au bateau. J'ai mal au dos. Allez, attention. Ah mais c'est Allo. Salut Allo. Tranquille Allo, t'as mal au dos? C'est à cause de ces news ça. Va porter plainte. Non, fais pas ça. Mais non. Si, fais ça. Non, fais pas ça. Écoute mes conseils. Il va porter plainte à lui-même alors. Oui, voilà, il va porter plainte à lui-même. Capitaine. Bonne Mirabelle. Oui. J'ai mangé une banane, vous êtes fier de moi? Mais c'est très bien. Merci, Capitaine. Ah, la bonne Mirabelle. Vous êtes le meilleur capitaine que j'ai jamais eu. Dorénavant, tu seras mon spécialiste mangeur de bananes. Oh, merci, capitaine. Comment ça, il y a un deuxième bateau? Bah, il y a un brick là où. Non, c'est un truc, un sloop? Je sais pas. Bon, les gars, si vous n'êtes pas là dans 30 secondes, je pars sans vous. Moi, je suis en temps de chargement. 2. Moi, je suis sur le pont. Ça y est. Je suis à la table. 4. 5. 6.
Il y a un certain SS. Il y a des gens qui comptent avec toi, tu te sens puissant. 10, carrément. Non, mais il a continué, il a dit qu'il a pas relevé l'encre, alors il va aller nulle part. Mais j'ai pas dit que... Mais j'ai dit dans 30 secondes. Comment on peut faire signe? Ah bah ça fait plaisir, j'espère mais que tu attends, les gars, il a quel âge, Allo? Ce qu'il dit, il est jeune, mais il est pas si vieux que ça, ce con. Bah Allo, je crois qu'il a mon âge, il a 20, 26. Ah voilà, donc ferme ta hein, tais-toi. Isa, il y en a qui viennent partir Isa, en chaloupe là. Petite question, ça vaut toujours les 1€ quand le bateau coule? Bonjour. Alors, il y en a qui viennent. Parce que là, on part pour une quête légendaire, donc sors le porte-monnaie. Hein. Bon, je crois qu'ils sont pas là, on peut y aller. Hein. Attends. Il est parti, ouais, on peut partir. Allez, déplie les voiles. Non, attends, on sait pas où on va encore. Bah, je m'en bats les couilles. Bon, je sais pas où il est parti, qui est descendu en chaloupe. Relève les voiles. Ah mais il est en train de tout casser le bateau. Ouais, c'est ça. Mais... T'es parti sans moi. Ah, on avait prévenu, hein. Non. Les voiles sont relevées. Bon, tu nageras un peu. Voilà, allez, nage. Ça te fera perdre le gras du cul. Pour la quête. Le seul cas. On attend un troisième couteau. Alors on va éteindre les lumières. Ta gueule, Jimmy. En vrai, Jimmy, je suis trop dégoûté. Je m'achète un i7 5820K, donc 6 coeurs. Voilà, le truc, je suis content, tu vois. Un an et demi plus tard, ils annoncent les 8000 et les 9000 là, qui ont 6 coeurs, qui coûtent moitié moins cher et qui consomment moitié moins. J'étais dégoûté. Eh ben, merci beaucoup. Okay. Ça fait très plaisir ce que t'es en train de dire. Il manque encore un couteau. Un couteau? Comme ça, un couteau? Oui, il faut aller voter. Tu veux dire le petit coquillage? Le petit coquillage? Alors, oui. Nous avons Comte DG La Street qui nous dit « Je crois que je suis tombé sur le meilleur live Twitch. » Pourquoi marqué proposé voyage? Vous avez l'air incroyable. Et nous follow direct. Eh ben, merci on t'a pas dit que c'était pas bien de mentir, voyons. Comment non, ouais, merci, ça fait plaisir. Prends ta bonne bière, assieds-toi avec nous. Oh, et tu vas voir, on va s'éclater. Le nombre de quêtes qu'on a à faire. What? Quoi? Oh putain, sa mère! Attends, c'est lesquelles qu'on doit faire? Toutes? Non mais sérieusement, les gars, j'ai pas prévu de faire un live jusqu'à 5h du matin, moi. Alors on va commencer, il faut qu'on aille à Fetch a Rest. Ah oui, Fetch a Rest. On en a 8 quêtes. On met toujours minimum 1h30 pour faire une quête, les gars. On est dans la daube. Alors, c'est là. Voilà. Ensuite, dis-moi ce qu'on doit chercher. Ensuite, Glowstone Cay. Pipe et jambes de bois! Glowstone Cay. À droite. Ouh la vache, c'est à l'autre bout du monde! Ensuite, on a Devil's First. Devil's First. Le troisième diable. Devil First. Ouais. Les Silver Cake, le geyser, c'est après, infâme. Ashen Witch. Ashen Witch. T'as trouvé Devil of First? Tu l'as fait? Ouais. Ok. Devil First, c'est bon. Ouais. Rubis, comme un rubis en fait. Le rubis qui tombe, ensuite. Voilà. Une chute de rubis plutôt. Après, c'est une carte qu'on doit trouver, enfin, c'est une île qu'on doit trouver. Ouais, remonte. Elle ressemble à quoi? Non, mais c'est la triple île. Ouais, là en dessous, Flintrock, puis à droite. Là, celui-là. Ok. Oui, voilà. Du coup, Adrien. Après. C'est encore une grosse île. C'est une double île qui a une tête d'oiseau. Bah moi je vois un oiseau, mais après c'est peut-être que moi, hein, mais Une grosse île qui a une tête d'oiseau, celle-ci là Laquelle? C'est Fetcher Rest. C'est Fetcher Rest. Fetcher Rest, t'es sûr? Mets deux trucs dessus. Ah oui, c'est Fetcher Rest, effectivement. Ça ressemble plus à un escargot. Et la dernière c'est... Et encore Rubis Fall. Rubis Fall encore, voilà. Ah, on est d'accord. Olivier me dit qu'il est d'accord, ça fait une tête d'oiseau. Merci Olivier. Non, ça ressemble plus à un fœtus. Ça ressemble à un fœtus d'oiseau, mettons-nous d'accord. C'est bon, on a zoom. On regarde où on est. Alors attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Non mais, Jiwe, je viens juste de me mettre au SSD, donc ton double raid, on va attendre. C'est ça. Là, je me suis mis à SSD, là, je revis mon gars. Mon PC démarre en 4 secondes, je suis refait. On va commencer par le haut. Par le haut, ok, ouais. Donc direction nord-est, Fletcher Rest. Bah oui, je démarre en 4 secondes, et alors? Je vais prendre la barre, monsieur. Bah justement, tu m'as fait peur, toi. Je croyais t'allais dire tu dures que 4 secondes, et je t'emmerde. Putain, merde, c'est sur l'île. C'est sur YouTube. On va être à contre-sens, là. Non, mais y'a quelqu'un sur l'île, là. Mais je vous dis depuis tout à l'heure qu'il y avait un bateau.
Comment ça, il y a un... Mais non, on est tous là. Mais tu sais, alors soit tu parles pas, soit on ne t'écoute jamais, parce que j'ai pas entendu ça. Bah oui, c'est là, on l'a dit 50 fois qu'il y avait quelqu'un d'autre et qu'il y avait une brigue, machin, tout ça. Ah bah on le laisse tranquille, on s'en bat les couilles, allez, c'est bon, on parle. Non, mais il est pas, c'est pas un sloop. C'est pas une brigue. Eh bah allez, hop, toute voile dehors. Elle est partie où, l'autre? J'étais en train de piloter. Au nord-est. Elle est partie. J'avais commencé à piloter. On va pas s'en sortir. C'est dommage. C'est vrai, il faut qu'on entende ça, Adrien. On voit des vidéos, on voit des preuves. Alors... On entend quoi? Il y a Adrien qui nous dit qu'il a mal de gorge, apparemment, et que du coup, il a une voix de chaton. De chaton? Ça va être... Nord-Est... On remet le micro. Moi, je vais à la vigie, capitaine, parce que j'ai envie de boire des coups. Très bien. Voile à tribord. La mer est toujours aussi jolie. Non, mais boire des coups IRL, capitaine. Dans le vrai monde, de la réalité véritable. Attention, on va pas tomber quand même. Oui, c'est vrai. Enfin, Cal et Jack pour le coup. Puisque Dark fait la remarque que je l'ai dit. Donc c'est bon. Quelle remarque? Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Qu'on l'écoute pas. Non, pas que vous écoutez pas, que justement je l'avais dit. Qu'il y avait quelqu'un qui a survécu. Aucun navire à l'horizon, capitaine. Est-ce que c'est une épave à bâbord? Bâbord. Mais on y va pas, on a pas le temps. Où ça, à bâbord? Okay. Je ne vois pas. D'accord. Je ne vois pas. Je ne vois pas l'oiseau. 11h. Direction nord, tu m'as dit. 11h, 10h. En gros. Par rapport à la pointe du bateau. 11h, 10h, effectivement, c'est une épave qui est à la surface. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Il a dit non, ça. Il a dit non. Parce qu'elle est vraie. Non, on n'a pas le temps. Ok, parce qu'elle est à la surface quand même. Salut Priscilla, comment vas-tu? Non, j'ai cru voir un truc là-haut, mais non. Merci pour le message de prévention. Que Barre peut cause des risques pour la santé, qu'il est préférable de modérer sa consommation. Exactement. Un verre après l'autre, jamais deux tu en même temps. Tu peux mettre un poil plus à tribord. Un poil plus à tribord. Je suis toujours sur ma 980 personnellement, Jiwe, et ça me va très bien. Et sur mon mobile, j'ai une 1050 Ti, je crois, sur mon PC portable. Et j'ai un... Sur mon PC portable, j'ai un i7-8700 HQ, quand même. Voilà. Mais beaucoup plus, là, parce qu'on est en train de dévier au nord-est. Ah, beaucoup au plus. Nord. Ou 7700 ah bah alors. Oui, 1700, je sais plus. Ah oui, vas-y, là, c'est nord-est hein, qu'il faut qu'on aille. Ah, mais on peut aller sur les mares, c'est trop stylé. Oui, et bientôt on va pouvoir les détruire, les mâts. Oh, ça c'est encore plus stylé. Donc je peux dormir sur le mât. On pourra faire de la pêche aussi. On pourra faire de la pêche et harponner les mégalodons. On pourra. Ah, c'est bien ça. Et on aura des harpons à l'avant du. Et est-ce qu'on pourra pêcher le mégalodon? C'est sur ça la question en fait. Alors pêcher, je ne sais pas. Par contre, c'est vrai que moi aussi, mon ordinateur, c'est toujours celui que le JW a monté. Bon, il y a quelque chose d'autre. Non, mais le chat, ne vous inquiétez pas, hein, c'est de la tourtelle twist, hein, c'est sans alcool. Hein. Est-ce que l'autre connard qui se marre, quoi, mais putain. Je vais me faire ban Twitch avec tes conneries. Il y a un rocher droit devant, va falloir l'esquiver. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire, mais c'est bien, c'est en cours. Excellent. Ah, capitaine, j'ai failli tomber à la mer. Je suis tombé à la mer, capitaine. Oui, mais on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Par contre, c'est normal le drapeau là-haut? On a le drapeau rouge. Ah oui, oui, c'est normal. D'accord. Ah, t'as mis le drapeau rouge? Oui, parce que comme ça, on a l'aventure qui va avec. Ouais, tu parles. Ok. Allez, bon, ça va être sympa. Ça va être terrible. Non, mais attends, tu veux dire qu'on va pouvoir faire les choses et qu'on va se faire piller si jamais on... Ah, la sirène. Petite sirène. Ce serait très de perdre un copain. Est-ce que t'as fait la quête du troisième... Enfin, la troisième quête de l'event en ce moment? Oh, elle était chum, la sirène. Oh, c'est chaud. Jack, est-ce que t'as fait la troisième quête de l'event? C'est pas passé loin. Ouais, c'était beau. Non, j'ai pas fait encore. Et tout à l'heure, on l'a fait avec Twain. On a ramené... au moins 35 sirènes, capitaine. C'est toutes des... Hein? Genre t'arrives à un moment sur Chapwick Bay et c'est l'île à 2h là. Okay. Mais plus à tribord, c'est l'île à 2h. Ça marche. On est déjà en train d'arriver. On est bientôt trésor avec 9 trésors sur une île. C'est des choses qui arrivent. Eh, hey, on a des canons dorés, c'est trop stylé, wesh. Hey, E.T., viens, on danse. Salut, Maddy. Là, je peux être dans l'axe là, non? Alors attends, ouais. Bah oui, c'est... bah l'île elle est devant nous hein. D'accord, oui, non, je me demandais si c'était celle-là ou un amas de rochers que je ne voyais c'est pas celle-là. Bien. D'accord, c'est complètement celle-là.
Avec mon petit vieux. Attends, alors attention, attends, Adrien, si tu confonds ça, ça, hein, avec de la Castel, t'as de la... Il faut que... T'es daltonien, je pense. Ça y est, il va, vous allez me le mettre colère. Non, parce que ça, c'est... Vilain. Tu vois du rouge, non, je sais, j'essaie de prendre le vent. Elle est très belle, la menace sur le jeu. Et encore, là, non, c'est pas joyeux, en fait. Ce n'est pas de la Castel. Et puis, pas de placement de produit, oh, je suis pas payé. Tourne un peu. Ouais, maintenant que t'as dit, bah t'as dit Total Twist, hein. Ouais, mais je suis payé par Total Twist. Ah. Ah oui, je t'ai pas dit. Plus toutes les prochaines soirées qu'on fait ensemble, mon bon Dark, Total Twist, hein, je m'en bats les couilles de ce que tu penses. C'est mort. C'est non. C'est mort. Ah. Ouh, j'ai une grosse chute. J'ai une grosse chute de FPS. Ouais. Volcan qui fume. Ah, pareil. C'est pas bon de fumer, oula, monsieur. Fumez-tu. Ouais, pareil. Et moi, j'ai une montée de ping avec. On va monter les voiles. Ah. Montez les voiles. Ah, si tu me vois pas, Adrien, c'est bon alors. Mais ce n'est pas de la Castel, t'en fais pas. Oh, ouais, ouais. Oh, Michael Bay. Non, ça nous tombe dessus. Ok, aïe, la paratribord. Go, réparation. Ça m'a one shot. C'est bon, ça a pas touché en bas. Ok. Du coup, si ça t'a one shot, dans le bateau des morts, tu prends ta lampe là et tu récupères de la lumière. Ça a pas touché en dessous pour l'instant, capitaine. Ah, c'est pour ça qu'il voulait que j'en tue un. Ah, mais je l'ai, mais à quoi ça sert? Je reste dans la cale, capitaine, au cas où c'est touché. Ouais. Ok. Et eh bah, c'est tu la gardes. Joli. Tu prends tes doublons là déjà. Par contre, on va où là maintenant? Et tira la, tu bon, la mettras sur là, une des lampes du bateau. D'accord, mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le truc du Festival des Morts. D'accord. Moi, je crois que c'est 7700 mon portable, Jiwe. Mais je crois qu'il date de. Enfin, il date d'il y a un an et demi maintenant, mon portable. Donc, le 8700 était pas encore sorti à l'époque. C'est Zouli. C'est bon la Castel, je dis pas, hein. C'est Zouli. Alors, faut que je le mette. Wow. Alors capitaine, tout va bien dans la cale, y'a rien de cassé. Dessus, dessous, on fond. Excellent. Mets-la à l'intérieur. Ok. À quoi ça sert la lanterne des morts là? Bah voilà, c'est bon, c'est mis dedans. Faut que j'en mette que sur une seule ou je peux la mettre sur toutes? Tu peux mettre sur toutes si à tu veux. À quoi ça sert, capitaine? Si on arrive à avoir toutes les couleurs de lanterne, un succès. Ah d'accord, et c'est quoi toutes les... Oh, c'est rouge. Oh, c'est magnifique. Alors, il y en a une, faut mourir par la foudre. Il y en a une, faut mourir par les squelettes. Il y en a un, faut mourir par les serpents. Attention, on va se faire toucher. Non, c'est bon. Oh, c'était pas loin. Wow. C'était pas loin. Oh putain, c'est et chaud. Et il y en a une autre, faut mourir en PVP. Putain, on se croirait au Mordor, quoi. C'est assez dingue. C'est trop beau, le bateau tout rouge, maintenant. Et franchement, on dirait pas un feu d'artifice. C'est magnifique. Ouais, mais c'est assez envoûtant. Et le vaisseau tout rouge à l'intérieur, vous allez voir, on croit qu'on est en mode alerte, en mode invisible sous-marin. Ah oui. Voilà. Vous voyez pas qu'on peut vous entendre un peu. Faudrait relever les voiles, les copains. Mais les voiles, elles sont relevées. Ah non, celle-ci, les pas. Ah mais aucune. Bah, je les avais toutes montées. T'es con, Jiwe. Oui, mais parce que j'ai l'air déjà quand on est arrivé, quand l'île a Isa explosé. Isa, elle a mangé son paquet de chips au vinaigre, voilà une bonne fille. Eh ben voilà, oh, non. Le chips au vinaigre. Attention sur le pont. J'ai hésité à en prendre et finalement j'ai pris des chips au poivre. Ah, oh, tiens, mais c'est quoi ce goût? Non mais qu'est-ce que vous avez là? Vous avez vraiment un problème avec les chips? Ah les chips, mec. Non mais ça va être mon nouveau gimmick. Ça va être salut les amis, bienvenue, et puis après ça va être manger des chips. Moi je suis d'accord avec toi, les chips sont propres, c'est la vie. Et comment on esquive ces boules de feu, c'est quand même magnifique. Non mais c'est magnifique depuis tout à l'heure. J'ai soucis. Bien fait de faire un régime, ça y est, capitaine. C'est la fin là. Il arrête. Je pense. Un régime à base de Burger King, capitaine. Il pleut un petit peu quelques cendres, mais ça va. Non. Ah non, il continue. Ouais, c'est bon, tu peux t'en approcher, c'est les derniers. Bon, c'est quand qu'on arrive? C'est long, capitaine. C'est le bouquet final. Oh, celui-là, il va peut-être tomber dessus. Oh. Wow, c'était beau. Ah, oh, c'est beau, moi j'adore. Mais Isa, c'est toi qui as dit que tu voulais finir tes chips au vinaigre, te fous pas de ma gueule. Chips au vinaigre, j'ai fini mon paquet hier. Alors pourquoi tu dis que c'est pas bon les chips au vinaigre si tu dis que t'as fini un paquet? C'est illogique ce que tu dis. Non, à moins que t'aimes bien manger de la merde. Elle a voulu écrire chips au poivre. C'est pas bon les chips, Priscilla, elle règle la question. Les chips tout court, c'est pas bon. Non, mais Priscilla, les chips c'est pas bon, à partir de là, on ne t'écoute plus. Ah, j'en ai été touché par contre. Dire que les chips c'est pas bon, c'est du foutage de gueule. Ça bon, y'a rien en bas. Oh Adrien! Faut y copier! Mais non! Ah bon? J'arrive! C'est bon, j'ai fait. Ouais, c'est arrêté là! Non, il a pas envie. Non, mais on t'en veut pas, Priscilla! T'as le droit de pas aimer les chips! Ça nous en fait plus pour nous au final! Celui-là, il est beau!
Qu'est-ce que tu fais toi? Waouh. Oh. Ouais. Alors attendez, là on a quand même un événement magnifique, c'est-à-dire que ma copine qui est à 1 mètre de moi vient me donner 15€ en don sur Twitch. Ah, d'accord, bah elle peut faire pareil, je pour bah elle a c'est. Oh, c'est mignon. C'est très gentil de ta part, mais t'es au courant que PayPal prend une commission dessus. Ouais, bah tu me paieras un kebab. Mais ah d'accord. C'est, on n'a pas le même principe du, on n'a pas la même division du mot don en fait. Mais merci beaucoup quand même. Ça y est, c'est fini, on va pouvoir aller sur l'île. C'est beau. Allez, en avant. On remet les voiles. Non, il y en a une qui est encore ouverte au fond, donc ça devrait aller, non? Oh oui. Voilà, merci Magiti, je sais pas comment ça se prononce, mais merci on à toi. On va mettre une deuxième quand chips, même, parce qu'on se traîne pas c'est la mal. Vie. Donc pour le psychotiquer, Dark mort. Bon, allez, pour une fois, c'est Dark qui mort avant nous tous. Dark meurt avant nous tous, hein, c'est magnifique. Des fois ça arrive, une petite bête là. Allez, on relève les voiles. On relève les voiles, Captain. Il y a une piscine, il y a une piscine à bâbord. Bah non, c'est un océan, Dark. Et il est con, lui. Par contre, il faut arrêter là parce qu'on est en train de se rapprocher, non, c'est bon? C'est bon? Ah, attendez, je crois que l'eau va être encore bouillante. Et merde, oui, l'eau est bouillante. Ah oui, l'eau. Dans l'eau. Fuck it! Je viens de sauter dans l'eau! Ah, c'est bon! Ah! Mais c'est pas très accueillant par ici! Je me fais propulser par des geysers, mais what? Ah, ouais, non, tu vas voir là, c'est la merde. Mais what? Ah, oui, ça rigole pas ici, hein. Ah, j'ai pas de banane. Vite, ah! Je vais mourir. Ah, c'est bon, je suis pas mort. Aïe! Et vous me donnez faim à tous parler de chips là. C'est cool, il y a une chaloupe juste en dessous là. Alors, on vient faire quoi ici du coup? Là déjà. On vient chercher des coffres et une livraison aussi. Jack, on a une chaloupe là. Juste en face, si bien. T'es besoin. Allergique c'est aux bon chips, Priscilla! Oh la vache! Oh, je te plains! Oh, désolé! Ouais. Non, oh là personne là. Veut me dire où on est. Non, je sais pas où. Hein Isaac, on a fait chaud. Comment t'es monté là-bas, Nico? Enfin, Dark? Bah, par la route. Mais quelle route? Fetcher Rest, c'est laquelle? C'est celle avec la tête d'oiseau, d'oiseau fœtus là? C'est bon? Merci. Je sais pas. Comment t'es monté là-bas, gros? Eh bah, par la plage. Mais où est-ce qu'il y a une plage? Putain, je vois que des bateau, rochers, moi. Je l'ai pas vu. C'est une plage là-bas? Non, c'est pas une plage. Ça. Donc, ouais, est-ce que c'est celle avec un oiseau, d'oiseau tête fœtus? Mais on sait pas, on n'est pas sur le bateau. C'est. Attends, on va récupérer les flags. Oui, c'est celle avec l'oiseau tête fœtus. Mais. Ok. On va manger des chips. T'entends? Moi, ce que j'arrête, c'est les pins, vieux. Les pins? Les pins. Les pins. C'est une petite référence pour ceux qui la connaissent. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Oh, y'a un baril explosif, capitaine, je la ramène dans le vaisseau ou pas? Tu connais pas Sheraf? Tu connais pas Sheraf? Parce que. C'est la classe américaine, mon bon Nico. Oui, c'est bien ce que je pensais. Y'a plein de barils explosifs, on les ramène dans le bateau ou pas? Oui. Mais y'a plein de supplies, j'avais pas vu! Oui, c'est pour ça que j'ai dit, hé les gars, y'a une piscine. Bah oui, c'est pour ça que je suis en train de les ramener. Alors, normalement ça devrait être par ici qu'on va trouver. Qu'on va trouver. Le coffre, il n'y a pas un seul supply, une petite banane, un truc s'il vous plaît, monsieur dame. À votre bon cœur. Bah, tu vois, Nico, je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas la classe américaine, malheureusement. Ah, mais je pense, mais en même temps, c'est pas très très connu, mais c'est bah, bien. Si, c'est assez connu et en même temps, c'est pas connu. C'est ça que je viens de récupérer un truc. C'est que pour les vrais. Oh, des squelettes. Dans la culture geek, en tout cas, c'est très connu, la classe américaine. Coffre découvert. Moi, je connais, c'est dire. Ah. Yep. Volontiers. Bah, binous, oui, binous. Allez, deuxième verre de la soirée. On ne répétera jamais assez, buvez avec modération. Bon, moi je bois avec mes copains, mais c'est presque pareil. Ouh, il a l'air joli le coffre. Eh, mais comment vous avez trouvé. Plein de sous. Comment vous avez trouvé tous ces coffres? Bah, avec la carte. Ah, c'est vrai qu'il y avait une carte. J'ai oublié, Captain. Ah, t'es pas une légende, toi. Hein. Ah non, Captain. Non, je suis pas Will Smith. Ah, si. N'empêche que lui, c'est une légende.
On est d'accord. Ceux qui n'ont pas vu la classe américaine, ceux dans le chat qui n'ont pas vu la classe américaine, vous quittez ce chat immédiatement. Vous quittez ce live immédiatement. Vous allez sur beau bruit, beau bruit. Voilà. On m'appelle ou je voilà, voilà. On a invoqué le Dark et vous allez voir la classe américaine. Voilà. Ça, c'est l'équivalent du Kraken. Hein. Beau petit bruit qui nous a entendu là. Faut que j'arrête le live, faut que j'aille à Agno. Coucou Red. Eh, on le disait, je disais, attends, je vais quand même pas boire en live des petites bières. Enfin, je veux dire de la tourtelle twist. Mais d'un autre côté, mon bon Dark, on n'a pas fait un live à Paris où on était dans un état second, je sais pas ce que je veux dire. Jamais on a fait ça. Jamais. Ça nous ressemble pas. Oh, magnifique. C'est lui, Sylvain. Oh, bah, ça va bien. Maison, du coup, on doit faire des trucs là, ici, Captain. Oh mais c'est fort ce geyser là. Attends, hey, j'ai une chaloupe avec du tissu, avec des plantes et avec un coffre. Ah. Waouh, bougez pas, j'arrive. Vampire... Non, mais c'est à moi, c'est ma chaloupe. Vampire... Ah. Vampirien qui nous dit, je ne peux pas boire, j'ai un tatouage à 10h. Eh bah, effectivement. C'est une super bonne raison. Mais c'est une très bonne raison de pas boire, une des seules qui est valable. Moi je dis qu'il est pas joueur. Non mais toi, faut pas t'écouter, toi. D'ailleurs, monsieur capitaine... Si, faut m'écouter, moi je suis le sage. Non, t'es le maître de l'ordre. Ouais, exactement. Mais monsieur capitaine, y'a encore d'autres trucs à chercher sur ce... ou pas? Ouais, je crois qu'il reste... il reste encore un truc, là. C'est le truc à tête d'oiseau? Oui. Ah oui, il reste un truc sur la seconde île. Qui est je ne sais pas où, mais il reste tout. Putain, mais ça fait du boucan ces geysers, c'est chiant là. Fermez vos gueules, putain. On cause, on est entre adultes. Laissez-nous parler. Merci. Il nous fait une imitation de Finkel Crow, lui. Bon, ça c'est sûr, hein. Oh, pardon, c'est la bière. Non, ça c'était Benoît Poulvord. Bah non, c'est juste un belge. Non, juste un belge. Benoît Poulvord, je peux pas l'imiter, c'est inimitable. Boire ou conduire, il faut choisir, hein. À la vôtre. Alors, il reste lequel. Et je répète que, ayant de la famille belge, j'ai le droit de faire une blague sur les Belges. C'est le même principe que plein d'autres blagues où normalement on n'a pas le droit quand de faire. Quand t'es gros, t'as pas le droit de faire des blagues sur les gros. Voilà. Non, si, ça c'est autorisé, ça. Et tu vas où, toi? Bah je sais pas, je cherche l'île. Alex, elle est par là, elle est complètement à l'opposé d'où tu vas. Bah je l'ai pas vue. C'est tout ce que j'ai à dire. Je l'ai pas vu. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, dommage. T'as quoi? J'ai des pop. Bah attends, je l'ai ton. Non, mais ici, on est dans la tolérance. On rit de tout avec tout le monde. Mais on il n'y a pas de malveillance. C'est juste on rit de tout avec tout le monde. T'inquiète. Ah, c'est l'île là! What the fuck? Putain de merde, je vais mourir à cause d'un geyser, tu vas voir. Putain, mais la teon quoi. Nous, on rigole, on ne se moque jamais. Voilà, c'est ça la différence. Ouais, faut que je maintienne ça. Le surf, c'est la vie quand même. D'ailleurs, E.T., il y a une belle vue de là-haut. Toujours, ouais. J'ai l'impression que ça fait des mois que j'avais pas entendu ça, Yonk. Toujours là pour te rendre servir. Non mais attends, c'est pas incroyable. Allez. J'ai fait un demi-tour mais je suis super lent. Mais attends, on n'est pas sur la bonne île, il y a pas trois îles sur la carte. C'était la même île, j'avais pas vu. C'est bon, capitaine, j'avais mal vu. Oh là là, mais putain, toujours cette impatience. Capitaine le mousse, il est bourré. Non, pas du tout. Non, en même temps, ça fait depuis tout à l'heure qu'il dit qu'il boit des coups. Non, je suis pas bourré, c'est que mon troisième verre. Mais c'est de la tourtelle twist. Ça bourre pas la tourtelle twist. Alors, coffre. Non, c'est pas ici. Comment j'ai rencontré Georges? C'est une excellente question. À la ferme. À la ferme? Ouais, à la ferme, ta gueule, toi, du con. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, c'est où qu'il faut creuser, Captain? Je dirais que c'est en bas, en fait. En bas, pas, en fait le Eh ben, on plonge. Ah, je suis mort, Capitaine. Ah, je suis mort aussi. Elle va récupérer l'enterre. Non, mais les boulets, quoi. Non, mais alors, moi, il me restait un quart de vie et j'ai toujours pas trouvé de bananes. Ouais, non, mais moi aussi, c'était dans le même cas que il toi. Il y en a plein en bas, les bananes. C'est à cause de ces geysers, de ces morts. De ces morts.
Putain, j'ai toujours peur que ça me pousse. Comme s'il y avait un léger ping qui posait problème et... Hé, hey, t'es où Nico? Je te vois... Ah, t'es là. Bon, je vais le chercher. Allez, le trésor du coup. Oh, t'es beau. Épouse-moi. Oh. T'as... Bah, encore? Une deuxième fois. Bah, du coup, faut vider ce qu'il y a dans la chaloupe. C'est bon, je m'en rends compte. Tu permets, on se dit qu'on s'aime. J'ai pas trouvé le temps. À vous! À vous! À vous! Elle m'a dit que c'est pour la vie. Avec sa mère et puis son père. Oh là là. Tigriquetin, tigriquetin. Oh là ouais. Qu'est-ce que c'est qui fait glouglou? C'est bon, tu l'as, Jack? C'est les plantes diaboliques? Bah, on peut retrouver dans le bateau alors. Putain, notre expédition. C'est des plantes diaboliques. Ils font glouglou. Notre expédition aura servi à rien, Nico. Enfin, Dark. Enfin, bref. Bah, non, va dans la cale. Ah ouais? Tu verras, ça fait glouglou. Bah, attends, moi je suis en train de déterrer. Ah, y a des tonneaux qui coulent. Y a des tonneaux qui coulent, je sais pas si c'est un rapport. Des bulles. Ah non, mais elles font des bulles, ça fait glouglou. Oui. Qui ça? Eh, pourquoi les tonneaux ils coulent? Pourquoi les tonneaux ils coulent? Parce qu'ils sont vides. Ah. Non, parce qu'au bout d'un moment ils coulent. Et eh bah, ben, c'est quand même plus agréable de l'avoir de jour, l'île. Ou pas, en fait, regardez, je sais ça, pas. Ça fait glouglou. C'est joli. Du coup, je suis même pas allé la voir. Non, mais jamais de la vie, je les prends. Lives de... Non, mais je veux dire, oui, là, je bois de la Tourtel Twist, mais en temps normal, jamais de la vie, je bois de la Tourtel Twist. Jiwei, t'es mort ou t'es fou, quoi. Il faut les livrer où, d'ailleurs, les trucs? Ah, aucune idée. J'ai pas regardé, faut regarder dessus. C'est laquelle de quête? Non, c'est écrit sur les caisses. Faut que t'ailles voir les caisses qui sont dans la cale, qui font glouglou, là, les caisses qui font glouglou, tu vas les voir, tu regardes... Vous avez mis que les plantes dans la cale. Oui. Lire l'avri de livraison, okay. Les tissus, oui. On les laisse dans la cabine du capitaine. Il faut aller à Devil's Ridge. Aïe. Avant 5h le premier. Voilà, Devil's Ridge. Wouah. Ça va être loin, non? C'est vrai que c'est très perturbant, ce glouglou intempestif. Oui, t'as l'impression que ça prend l'eau, en fait. D'ailleurs, faudrait leur demander. Merci pour l'explication, Blue Bead. Faut les laisser tremper dans l'eau. Est-ce que t'es sûr que les plantes diaboliques faut leur donner à boire? Hey, Captain, ça fait quoi si je fais exploser le baril de poudre? Ça fait que t'en prends une taloche dans tes dents, une calotte de ses morts. D'accord. Olivier, dès qu'il se fait chier, il lâche un jacuzzi sur le chat. Et pourquoi? Ah oui, mais moi je le vois pas, mais c'est parce qu'il est sur ton chat à toi. Oui. C'est Jacques Uzi. Jacques Uzi. C'est Jacques Uzi. Est-ce qu'on peut leur laisser un fond de vomi aux plantes? Qu'est-ce qui se passe? Oh. Pourquoi je suis bourré? Mais oh, j'ai pas bu, pourquoi je suis bourré? Pourquoi ça tangue? Ah, c'est peut-être les plantes diaboliques. Mec, j'ai pas bu. Ça tangue, ça m'a déplacé tout seul. Ah non, c'est que ça va rentrer en éruption, c'est en train de trembler, c'est le sol qui tremble. Faut qu'on se casse, oui. Captain. Faut qu'on se casse. Ah ouais. Je laisse un fond d'eau dans la cale, c'est pour les plantes. Hein. Il faut mettre les voiles à bas bord, je crois. C'est bon, vous tournez, on ouvre les voiles. Okay, non, on attend. Dès que tu nous dis, on le fait. Donnez-moi un cap, en fait, parce que moi je suis en train de tourner, mais... Un cap? Que dis-je, un cap? C'est un roc, c'est une péninsule. Attends, je vais te donner le cap. Le cap, c'est au nord. Au sud, pardon. Ok. Bah tu vois l'île ouais, que tu là, vois je fais l'inverse et je t'emmerde. Ouais. La grosse île là-haut, bah voilà. Bah, tout droit, c'est bon. Reviens un peu à gauche. Ah ouais, ok. Ah mais les voiles ont déjà été ouvertes, punaise. Tant de retard, quoi, toujours. Ouais, maintenant faut les orienter les voiles, pour les mettre dans le vent. Merci beaucoup pour l'abonnement. Ah ouais, mais carrément. Et hop, on est parti. Saconix, merci beaucoup, monsieur. Ça va? Saconix qui sub, ça fait plaisir, merci. Ah bah ça c'est cool, merci. Wesh les gens, salut. Merci beaucoup pour le cadeau, chef. Pourquoi il danse lui? En plus il a... Saconix, j'espère que t'as une bonne raison pour pas être venu te sub à mon live. on coule? Comment ça on coule? Non. Ah non, c'est moi qui dois déconner. Non, c'est toi qui a fumé. Oui, c'est toi qui a... Il y a un tout petit peu d'eau, mais c'est vraiment une mare au canard. Hein. Ah
Ah non, parce que moi, si vous, chez moi, vous non, mais c'est normal, l'eau qui est au fond du bateau. Chez moi, vous regarderez, je suis... Il faut la laisser, l'eau, au fond du bateau. Ah bon? C'est baby, c'est pour regarder les plantes hydratées. Ah, bah attendez, je vais en rechercher, Captain. On va remonter les voiles. Ah bah non, mais en fait, là... Attendez. Ok, bon, tant pis. C'est là qu'on s'arrête? Ouais. Ça va et toi, sa conne? Ça fait longtemps, dis donc. Tranquille, la vie? Ça fait longtemps que t'es parti. Maintenant. Si j'avais su qu'un jour... Tout seul, là. Assis sur un banc. Par de la liqueur que j'ai suivi. Si y'en a... Pour un enfant. Pour un enfant. Apparemment, E.T., t'as le fils, t'as le bonjour de son fils qui est un petit fan de Priscilla. Ah, je l'ai pas encore lu. Ça me fait pas peur. Je vais remettre de l'eau, Captain. Ouais, c'est bien. Remets l'eau. Ouais, je remets l'eau, Captain. Alors, j'ai remis l'eau, Captain. Faut faire quoi ici? Nickel. Flintock, tu peux dans celui-là. C'est encore une chasse au trésor, non? Ouais, c'est encore une chasse au trésor. On est où là? Ashenreach? Non, c'est laquelle? C'est laquelle? Flintock, c'est la map. La map. Les commerces, les commerces de proximité là? La map rouge là. Non. Il y en a un juste en face normalement. Donc ce serait ça là? Bon, tout le monde ça conne, si je dis pas de conneries, tu viens du nord, toi, non? Oui. Eh bah, à la tienne. Ça fait... C'est très touchant, c'est très touchant ce que tu viens de dire, ça conne. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit calme, entendre ta voix me donne le sourire. Oh, c'est beau. Attendez, il est où le... Merci, tu lis pour le rien. Le coffre, le coffre, il est où? Il est plus là-bas, le coffre. Hein. Là, il y a la pointe de l'île, on est d'accord? C'est quoi tous ces squelettes? Comment ça, les squelettes? En ce moment, il y en a plein, des barils. Mais là, il y en avait trois. Oui, non, mais cet après-midi, j'ai passé ma journée, on a pris 5-6 barils sur le bateau. Ah, là, il y a l'eau. Là, il y a l'eau, c'est au-dessus de l'eau. C'est par là. Oh putain, des squelettes! Ah! Capitaine! Ah, mes oreilles! C'est glissé, chef! Tu mets la salut, Asti! Comment vas-tu? Mais pourquoi il pète pas ce baril? J'ai tiré dedans! Mais mourez, bande de sangouins! Oh, des squelettes! Oups! Je suis mort, capitaine. Ok, je corrige le ce, tu corriges le ça. Ouais. Ah ben voilà. Et on creuse. Enfin, salut, allô. Oh, des squelettes. Non, ah ouais. Oh, un coffre découvert par E.T. Oh, j'ai tellement failli crever. C'est bon, j'ai trouvé un coffre, j'ai pas fait gaffe. Comment tu fais pour pas voir que tu trouves un coffre? Oui, alors explique-moi. Oui, explique-moi le principe, E.T. Parce que là, je vois pas. Fallait bien que ça explose. J'ai explosé. J'espère que t'as retenu ou t'as trouvé le coffre quand même. Oui, non, mais c'est bon. Je sais exactement où il est. Mais du coup, c'est quoi la lanterne qu'il faut choper là? Ah, mais non, c'est rien. Y'a pas de lanterne là. Non, c'est quand tu meurs et que il t'arrive quelque chose. Ouais, c'est un cas particulier. C'est la foudre, le PVP. Oh putain, c'est loin. Y'a quoi d'autre? Jack. Les requins. Allez, la petite île, c'est là-bas. C'est dommage, ok, j'y vais. Moi, j'ai toujours pas ton chat, Cal. Comment ça, t'as pas. Bah, c'est parce que t'as lancé Restream après, du coup. De quoi? T'as dû lancer Restream après, parce que moi, j'ai ton chat. Hein. Ouais, mais à chaque fois, j'ai jamais eu. Donc, j'ouvre le chat à côté, le tien. Mais c'est. Faut lancer Restream après qu'on ait lancé le mixeur ensemble. Je te lance toujours après. Bah, pour moi, ça marche très bien, je vois, pour que toi, ça marche pas. Mais ça avait pas marché la dernière fois pour toi?
Ah non, mais ça a jamais marché. Mais tu m'avais dit cuit, putain, mais ça le mytho, va. Non, mais ça marche au début, mais après ça marche plus. C'est-à-dire que je reçois 3-4 messages et après il n'y en a plus aucun qui apparaît. Mais parce qu'après les gens parlent plus dans mon chat en fait. Non, non, mais si, je vois toujours, il y a Moon qui parle, il y a Léa, Bluebib, donc je vois bien les derniers messages, mais chez moi ils apparaissent plus. Mais on peut pas creuser ici. Mais c'est super long, tu veux pas t'ouvrir la porte, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah enfin. Ah non, elle s'est ouverte, mais elle avait pas affichée. On creuse, hein, c'est censé être par là normalement. Hein. Bon bah espérons que... Ouais, bah, fuck it boss. Putain de Jésus. Oh un squelette. Mais dégage. Squelette de ses morts. Alors c'est moi le tireur par contre. Tire de canon. Bon je retourne chercher mon coffre là. Il fait tout noir capitaine. On fait comment? Ils vont revenir sûrement là, à moins que vous l'ayez récupéré, c'est bon. Attends, il est où le coffre? Ah, c'est chaud hein, à trouver ce coffre. Ah, je l'ai trouvé. Ah bah j'allais dire j'arrive. Je suis mort. Ah. Et j'avais beaucoup de vie. Il y a plein de squelettes autour de moi quand je trouve le coffre. Oui, maintenant c'est ça, quand tu trouves un coffre, c'est toujours des squelettes qui pop. Ouais, c'est en train de me défoncer ma queen. Ouais. Oh putain, c'était quoi ça? C'est un baril. Ça tremble. Mais putain, mais... Oh, mais j'ai pas de bol. Il y a un volcan là qui est en train d'éruption de l'autre côté. C'est dommage, on est trois dans la mort. Oh la vache, mais sérieusement quoi, je venais de trouver le coffre en plus. Ouais, regarde, j'ai une lumière verte. Non mais il y a le volcan qui s'est mis en marche de côté là-bas. Il est pas gentil le volcan. Je crois qu'il est mort. Prends une lumière verte, Cald. Bonne nuit, Sulib. Faites bref, désolé, hein, c'est difficile de vous suivre sur le chat en même temps. Bon, bah, il est pas là. Ce soir, c'est soirée disco, c'est beau. Si, je suis là, mais toi, comment tu prends la lumière verte, mon con? Dans le bras zéro qui est sur le pont du vaisseau des morts. Bah, oui, voilà, je pense qu'il faut pour alimenter le chat. Comment je fais? Ah, mais ça bouge dans tous les sens là. Impossible de prendre la flamme depuis du sort, ça me marque. Alors ça veut dire que t'es pas mort tué par un squelette. C'est bon, tout va bien? Bah, je suis mort par l'explosion, moi. Ah. Ah, mais du coup, je devrais en récupérer une hostie, moi, là. Comme... Bah, moi aussi, parce que je suis mort de la même façon, et ça compte, moi, je l'ai, la verte. Bah, moi, je l'ai pas eu, c'est pas juste. En même temps, on m'a dit qu'il allait pas avoir des couleurs, là. Quelqu'un va chercher le coffre, du coup, ou... C'est celui qui reste. Ouah, ça s'entend pas. Bah, apparemment, c'est bon, hein, la quête est faite, donc apparemment, c'est bon. Non, mais il faut les coffres, la thune, les gars. Non, mais ça, on s'en fout. Ah, bah, si, c'est bon, il considère qu'on l'a réussi la quête. Ouais. Bah, ouais, mais ce serait dommage de partir sans les coffres. J'y vais, capitaine. Ah oui. Il explose le volcan. Bon, au cas où, non, mais je reste ici, au cas où, si jamais je n'ai ramené un, j'ai vu un petit peu de l'huile. Quelqu'un passe sur le bateau là. Oui, non, mais je suis sur le bateau justement. Au cas où, pour. C'est quoi ce gros bug? Ah non, merde, c'est l'eau qui est chaude. Oui. Ah ouais, parce que les deux volcans rentrent en éruption. Mais il y a de la lave qui coule et tout, quoi. Oh la vache, sa mère. Oh. Le coffre, il est là. Oh, c'est bon, tu l'as Je suis en train de le déterrer. Je vais rester là, moi. Au cas où. Ah, mais putain, on peut pas retourner au bateau sur chaloupe, là, sinon... J'ai le coffre. Reviens, Michel. Mais là on peut pas nager. Ah non, on peut pas parce que l'eau est brûlante, ouais. Il fallait prendre le chaloupe, quoi. Salut Jiwei, bonne fin de soirée à toi. Eh ben bisous. Gros bisous. Bonne nuit Jiwei, merci beaucoup d'être passé, ça fait plaisir. Soirée. T'inquiète pas, ça compte toujours. Si un jour je suis riche, je t'appelle pour me faire une config à 30 000 euros. C'est beau rêve. Deux. Et à la prochaine. Parce qu'il sera généreux avec ses amis. Exactement. Vous me direz si mes pronostics étaient corrects. Je viens avec la chaloupe. Je suis mort. On est quand même tous un peu morts là. Ah merde, okay, t'es mort où? Sur les rochers entre les deux îles. Y'a quelqu'un sur le bateau là? Oui, moi j'y suis. Okay. Je vérifie régulièrement s'il y a pas de casse ou. Waouh. Ouais, j'ai essayé de revenir vers l'île principale et je suis mort sur les rochers. Mais je vais aller la chercher. Je vais aller la chercher, t'inquiète. J'entends des bruits bizarres là en dessous. C'est grave, docteur? Ah, y'a l'eau qui boue et tout. Ah, mais c'est chiant.
Eh hey, mais sérieux. J'ai bien de moi, c'était quoi? Ah, je me suis pris d'explosion, je suis encore mort, j'en ai marre. Faut rester à deux sur le bateau. Je sais pas, j'arrive. Par contre, comment on peut prendre très peu d'eau? Mais attendez, je suis mort instant en revenant à la vie. Ah, le mec il a dû se prendre une boulette en revenant. Il est où ton coffre, Axel? Il est entre les deux îles, sur les rochers. Entre les deux îles. Waouh, mais attends, il y a du magma partout là. Oui. À droite, en fait, tout à droite sur la carte, tu vois, du coup. Ok. Non, mais Jouer, j'aurais. Wow. Mais ton portail a gagné. Un jour, je le battrai. Mais si, un jour, j'aurais fait toi, je fais 15 à 50 000 balles, fais-moi une config, c'est tout. Ah oui, non, mais il y a des stelettes, il y a tout, il y a la vie, il y a la mort, il y a le monde entier. Non, faut que je descende, à mon avis. On va rester en dessous. Ah, moi non, mais le jour où je suis riche. Alors. On va partir. Ok. On va partir. Son coffre. Mais c'est qui, son coffre? C'était quoi ton coffre, Axel? Coffre de capitaine, je sais pas quoi. Ah putain, non, ça faut peut-être. Non, mais je vais le chercher, je vais le chercher. Non, mais attendez. Je sais clairement où il est, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Parce qu'on s'est pas fait toucher là. Non. Non, c'est bon. Je suis en bas, je tourne dans la cale et je vérifie s'il y a les choses qui bougent. Il faut que tu battes mon portable à 4 300 €. Putain. J'ai le coffre, j'ai le coffre. Rapprochez le. Un portable à 4 300 €. Est-ce que l'eau arrête d'être chaude à un moment? Parce que j'ai le coffre. Bah voilà, en fait, y'a Halo et Purple qui ont décidé d'animer tous les chats. Excellent. Capitaine, j'ai le coffre, venez vers moi. Je suis là. Attends, j'ai mis une chaloupe sur la plage. Où ça? Tu peux pivoter le bateau pour qu'on puisse tirer avec un canon? Oui. Je vois pas de chaloupe. C'est bon, c'est fini. Ouais, non. C'est bon, on l'a mangé. Là, on a pris aussi. Deux. Oui. C'est bon. Je suis en bas, je répare. Faut venir vers le bateau, Cal. Je suis vers le bateau. T'es vers le bateau? Ouais, je te vois là. Et bah, tu le vois? Ouais. Bah, j'avais dit. Putain! Oh la vache! Non, mais sérieusement, c'était quoi le. Oh mais putain, on s'est fait ken mais instant quoi, bordel, on va jamais réussir à le ramener ce coffre. Mais je crois qu'il y a plus de chaloupe. Non, il y a plus de chaloupe. Oh, elle s'est fait défoncer par le volcan. Putain. Oh, regarde, non. Calde. Ouais. Regarde, tu prends ta petite lanterne. C'est calmé, il fait beau, c'est calme. Yep, tu prends une lumière rouge. Comment? Tout est calmé, c'est bon. Impossible de prendre la flamme depuis du sort. Allume ta lanterne. Ah. Génial! Non, mais c'est pas bon ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça, Captain? Bah là, du coup, on a gagné des. Enfin, normalement, là, t'as gagné des. Pourquoi ça parle de Henri Dess sur le chat? À quel moment je vous ai raté? Non, mais Henri Dess, parce que Henri Dess, pipe et jambes de bois. Ah non, d'accord, tu veux dire qu'il y a une chanson Henri Dess qui s'appelle Pipe et jambes de bois. Quoi? Ah, ça y est! Ouais. De quoi ça y est? Je ramènerai ce putain de coffre. Il a fini de cracher. Ouais, je vais ramener. Mais Eti vous l'a dit, il y a genre. Ah ouais, mais non, mais on l'écoute pas. Et en plus, voilà. En plus l'eau elle est toujours brûlante, je suis en train de cramer ma gueule. Oui, c'est normal, il faut un petit peu de temps pour que ça refroidisse. Ah non, mais vous l'écoutez vraiment pas en fait. Jamais, c'est pas juste. Mais c'est Cal qui crie quand il parle. Mais pas du tout. Mais c'est parce que je m'entends pas à cause de ce casque. Mais je. Ah le mec. Le mec il s'entend pas donc il a besoin. Bah ouais, si je m'entends je gueule moi. Voilà. Ah bon jeté. Ici, viens chercher le coffre, je vais mourir pas loin du bateau. Voilà, je suis mort, il y a un coffre qui flotte. Mais faut arrêter de mourir les gars. Bah il faut sacrifier pour le bien commun. Bon, ensuite on va où? Je commence à planifier le départ parce que là. Ça fume ici. Ouais bah oui, ça c'est. Parce que je prenais des dégâts constants, tu vois. Sud-est sur Ruby's Fall. Ouais, 17 pouces, 4 SSD. Non, mais c'est quoi ce PC? Ils sont ces squelettes. Mais ils sont combien? Non, mais ils sont des milliers. Des milliards. Oh, mais ce taux de coffre qu'on a. Par contre, on est sûr qu'on va garder le truc là-haut là parce que si on perd tout, moi je vais être dégoûté. T'as été chercher le coffre, Iti, ou pas? Oui, c'est bon. Je m'en vais aller chercher, j'y suis allé. Ah, ça, c'est un bon Iti, ça. On va pas tout perdre parce qu'on est les meilleurs, Iti. Ouais.
Aie confiance en tes capacités, E.T. C'est très important. Bah, on sent les votes que j'ai pas confiance. Ah, okay. Bonne année dans l'ensemble, mais doit plus avoir confiance en ses capacités. Pipe et jambes de bois. J'arrive avec le dernier coffre. Mettez les voiles. Non. J'arrive. Non, mettez pas les voiles. Mettez pas les voiles. Ah oui, je vois là-bas. Ah oui, il est là-bas, ouais. Eh, quelqu'un lui lancerait pas un baril explosif? Oh putain, carrément, si. On va marquer. Je pense que si il fait ça, il va se retrouver en zonzon. Faut que je dise une blague? Oui. Qu'est-ce que c'est ce délire? Je dois dire une blague? Ah bah alors, c'est deux spermatozoïdes qui se rendent compte qu'il y en a un qui demande à l'autre « Eh, c'est encore loin, l'ovule ?» Oh bah, tu parles, on est encore qu'à la gorge. Ah non mais attends, parce que j'ai Olivier et Allo qui sont en train de se valider leur van. Qu'est-ce qu'il fait? Oh le con! Il est sérieux. Oh le con! Bah, c'est drôle, Allo, hein. Vous avez dit « Fais péter un baril explosif ». Non, on a jamais dit ça. Ah si, vous avez dit ça. Non, je veux le replay. J'ai dit, et sur lui mettre un baril dans la gueule en parlant du capitaine, pas du bateau. Y'a plus d'eau pour le glouglou, attends, remets de l'eau pour le glouglou. C'est bon, j'ai remis de l'eau pour le glouglou. Voilà. Ils sont terribles. Bon, allez, les gars, moi je vais danser. D'accord, et... On va dans le Miss Fall. Voilà. Oui, voilà. Alors, je vous laisse danser tranquille. Je vous fais confiance, moi je danse tranquillement et je vais faire un petit AFK bio si vous voyez ce que je veux dire. Tu vas vomir. Non, pas du tout. Les voiles mises. Maintenant, on les met dans le vent. Mais on est déjà dans la bonne direction, c'est bon? Ah non, mais tout était prêt. Tout a été préparé. On va à Rubis Fall, il y a deux ronds sur Rubis Fall, donc deux trucs à faire, direction sud-est, tout droit, les voiles et c'est parti, monsieur. Les voiles à gauche. Elles sont efficaces, non? Ah oui, il y a Olivier, enfin Purple, qui a validé ta vanne de tout à l'heure, là, que t'avais d'autres chats à fouetter. Elle était bien, cette vanne. Non, ah non, mais arrêtez de les encourager pour commencer. Mais moi, je l'ai bien aimé. Oh. Ah bah a priori il a l'air content. Mais attends, du coup j'ai une réalisée Purple, c'est Olivier? Oui. D'accord. Ok. Bonjour Rudy, comment ça va? Ouais, enchanté. 5h, le premier. Moi pour moi Olivier c'est Olivier, c'est tout. D'accord. Est-ce qu'il y a des enfants précis? Un nouveau jour, je sais pas, mais peut-être. Ouais. Mais on n'est pas de. Je me faire valider par des gens. Mais ils sont là, les gens qui te valident en fait. Ils sont pas ailleurs. Nous sommes là, nous sommes tes vrais amis. Allô. Il y a plus que nous maintenant. Bienvenue dans la secte. La preuve pour Kald. Blooby l'a tout enregistré, mais Kald n'étant pas là, il n'aura rien vu. On est d'accord. Oui, voilà. Qu'est-ce que j'ai raté? Rien, tout va bien. Waouh! Pom param param. J'étais téléporté. Wow, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'aurai des pertes de connexion? J'ai eu le lag aussi. C'est le serveur, je pense, parce que. C'est le serveur, parce qu'on l'a tous. Mais c'est là que le serveur crash et qu'on perd tout! Non! On fait une requête. Parle pas de malheur! S'il vous plaît! Peut-être couper les voiles là. Ouais. Les voiles. Qui c'est qui m'a clippé? Qu'est-ce que j'ai fait? On a clippé quoi? Bah non, c'est la preuve pour que tu puisses. Hey, Bluebeed, t'as clippé quoi? Qu'est-ce qui t'a clippé? Oh, y'a plein de trucs qui sont bien. Est-ce que je coupe est-ce que je mets le. Non, ah, y'a une nouvelle sirène! Waouh! Non, regarde, y'a un copain, il nous tire dessus avec un canon pour nous arrêter. T'es sûr? Non, c'est bon. Faut réparer. Y'a une statue, une bleue. Faut réparer. Je suis en bas. Qui c'est qui a clippé quoi? C'est vous. Mais il a clippé quoi? Mais je sais pas. Oh la vache. Il a clippé le fait que on disait faire péter un baril. Ah. Voilà, on est d'accord. On a bien dit qu'on m'a dit qu'il fallait que je fasse péter un baril. Je suis pas fou, hein. Non, on a jamais dit ça. On t'a dit mets lui un baril dans la gueule et on parlait du capitaine.
Bah oui. C'est bon. C'est ce que j'ai essayé de faire. Hein. Tu sais qu'on tu sais qu'on te voit là. Fallait me demander, j'aurais coupé la caméra en fait. D'ailleurs, je tiens à dire que Etty vient découvrir que Purple, c'était Olivier. Etty, viens péter la statue avec moi. Bah oui, justement, j'arrivais pour ça. Etty vient découvrir que Purple, c'était Olivier aussi. Je viens m'éloigner parce que j'ai besoin de bouffer. Ah, c'est bon, vous l'avez vu? Ouais. Alors, on fait quoi ici déjà? Comment il a souffert le bateau déjà? Ah, faut aller chercher des caisses au PNJ. Où est ce putain de PNJ? Attends, faut buter les squelettes aussi. Et ça pète dans tous les sens ici, non? Oh, mais on a plein de coffres! Oh, y a des squelettes dorées! Faut les. Oh! Je me suis fait. Emmène-les sur des geysers! Ouais, sur les geysers! J'ai dit, mais je me suis pris un coup de tromblon, ma copine! Ça fait bobo! Je pars me sub chez Caldeity, quoi? Mais attends, bah. J'ai pas encore installé tout ça. Non mais Bluebeard, il a clippé le moment où ils ont dit il fait péter un baril d'explosif pour me donner raison, c'est tout. Non mais c'est faux. Il a raison. Ouah punaise, mais non. What the fuck is that? J'ai réussi à rester en vie jusqu'à maintenant, donc laissez-moi tranquille. What the fuck is that? Oh putain, mais j'arrive pas de mourir dans cette rediff. C'est génial. Bah t'es une moi aussi. En fait, je sais pas pourquoi je prends le tromblon c'est bien en PVP, mais c'est pas bien en PVE. Ah non, par exemple contre les squelettes dorées, tu mets ça au cac, ça le one shot. Ah ouais? Alors contre les squelettes dorées, ouais, si le tromblon en cac, ça les one shot. Mais par contre, c'est de la merde contre les barils, les squelettes avec les barils. Ouais. Bonne nuit Kyo, bouge-toi bien. Non mais c'est pas moi qui l'ai attiré le squelette baril, c'est bon, tout va bien. Bonne nuit Kyo. Fais de beaux rêves, moi je suis concentré, je suis en plein combat là, je peux pas y faire grand chose. Encore. Je n'arrête pas de mourir. Je n'arrête pas de mourir. Sortez-moi de là. Wow. Qui c'est qui a tiré là? C'est moi. Pourquoi des fois il s'arrête de taper lui? Au secours. Et comme dirait... Je sais pas si on peut le citer cet homme en live. Non mais, qui c'est qui m'a... Ça... Ah oui non, ne le cite pas en live. Non. Ah non, je parle d'un breton. Ah. Toujours pas. Oh joli on l'a. Mais bon, c'est un breton qui a un œil de verre et qui va la veut comme ça. Ouais bah mais n'est-ce pas? c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, tu le cites pas, tu ne le cites pas. Vous avez ramassé les deux? Moi j'ai un crâne. On va ramasser d'un... Ouais j'ai un crâne aussi, c'est bon. Donc ça fait deux crânes. Faut trouver le PNJ maintenant. Ah c'est un beau crâne, n'est-ce pas? Attends, y'en a 4 en tout. Y'en a 4 en tout. Alors y'avait des squelettes dorés en hauteur. N'est-ce pas? J'aime tellement ces crânes. Et je suis presque dégoûté qu'ils aient pas fait des produits dérivés avec des crânes sur ceux aussi. Non mais on sait que t'as un problème avec les crânes ici. Mais je trouve ça super joli. On te juge pas. Par contre, j'ai récupéré des munitions et des bananes. Avant de continuer. N'empêche, c'est cool parce que pour une fois, c'est moi qui me meurs le monde. En même temps, c'est moi qui en fais le monde aussi, c'était pour ça. J'ai un autre crâne! Parce que je viens de tuer un autre capitaine. Excellent. C'est qui t'envoie des messages? C'est Sarah? C'est Mounia? C'est bon, il y a quelque chose à récupérer encore sur l'île? Nous on fait le dernier capitaine et après faut trouver le PNJ pour récupérer la cargaison. Oh, ça rentre en éruption, capitaine, ça tremble! Ouais, il y a une caisse doublée de canon là, je la prends. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On se barre? On reste là? Non, faut trouver le PNJ. Ça va pas être très joyeux par ici, hein. Je vois que le bateau bouge. Ils aiment pas être d'hostile, mais ils aiment pas quand on ancre. Ah. Pipe et jambes de bois.
Bluebeat qui me dit j'ai clippé pour faire une preuve légitime que la mémoire des streamers, mais clairement j'ai l'impression d'avoir fait le pire connerie du live. Pourquoi? Bah non. Y a quelqu'un sur le bateau? Ouais, moi je suis dessus. Hein. Ah, oui. Ok. Iti bon, aussi d'ailleurs. Non mais c'est bon, hein, tout va bien ici. Faut que j'aille reprendre des munitions. Ah oui, c'était parti pour faire ça aussi, je l'ai pas fait, tu vois. Une véritable quiche. Par contre, faudra que je pense à couper la rediffusion, il dure plus d'une heure là déjà. Oui, bah est-ce qu'on s'attrape pas là? Je sais pas. Au pire, ouais, ça a pas encore commencé à taper, donc vas-y, je fais une courte rediffusion, donc à tout de suite les gens. Bon les gens, merci d'avoir suivi cette rediffusion. Une autre arrive juste après parce qu'on continue à jouer, on est comme ça nous. Merci beaucoup, on vous fait des gros bisous. Tu leur fais des gros bisous? Des bisous YouTube. Des bisous YouTube. Voilà, ils vous font des gros bisous. Merci beaucoup de regarder cette vidéo. À la prochaine.